Bonsoir à tous, je vous retrouve avec plaisir pour ce nouveau live sur le marketing relationnel. C'est le numéro 27, hein, déjà, ça passe vite. Aujourd'hui, c'est un horaire un peu tardif. J'ai eu des petits soucis techniques, en fait, avec le PC, la webcam, c'est des choses qui arrivent. Bon, le principal, c'est que le live puisse se faire. Et c'est pour ça qu'on commence un peu tardivement. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, comme d'habitude, je vais me présenter. C'est peut-être la première fois que vous m'écoutez. Alors, je suis Patrice Di Giacomo. Je pratique le marketing relationnel depuis l'année 2011. Et c'est en 2014 que je me suis spécialisé avec l'approche Internet de l'activité. Une approche que finalement, en France, en tout cas dans les pays francophones, on n'a pas encore trop l'habitude de développer. On utilise encore beaucoup les méthodes traditionnelles, comme la vente à domicile, l'approche directe. Et on n'utilise pas encore tout à fait, comme les anglo-saxons finalement, l'approche Internet de l'activité. Et pourtant, ça permet de vraiment, vraiment travailler à l'international. Ça, c'est vraiment très intéressant. Alors aujourd'hui, c'est un live sur un produit, en fait, qu'on m'a fait tester. Comme le précédent live, je présente également un autre produit. Alors en fait, c'est ce qui se passe, c'est que je rencontre pas mal de distributeurs. En fait, certains ont la chance de m'envoyer un échantillon de leur produit phare ou un produit complet. Et ce que je fais, c'est que moi, je le teste, je donne mon avis, j'écris un article dessus. Et pour les remercier, si bien sûr le produit m'a plu, je mets leur lien affilié dans l'article et après, je travaille l'article pour qu'il soit positionné assez haut sur les moteurs de recherche, notamment Google, pour permettre des ventes. Donc, n'hésitez pas via leur boutique en ligne, hein. Donc, si vous avez également des produits intéressants à me faire tester, n'hésitez pas, vous me les envoyez ou on peut en discuter déjà dans un premier temps. Et ensuite, je pourrais écrire un article dessus. Alors, aujourd'hui, quel est le produit qui m'a été testé, qu'on m'a fait tester, pardon, c'est plus français. Eh bien, c'est le dentifrice AP24 de la société Nu Skin. Alors, c'est un produit. En fait, j'étais intéressé de le tester parce que j'en avais beaucoup entendu parler, en fait, sur les réseaux sociaux. Il y avait beaucoup de témoignages. Et en fait, la chance que j'avais, eh bien, c'est que il y avait une distributrice, pardon, qui habite à proximité de chez moi. Elle s'appelle Sandrine. Et je vous ai mis l'article complet, hein, de mon avis sur ce produit avec une très belle interview de Sandrine. On a fait une interview à l'extérieur ensemble. Ça change un peu de Skype, Messenger et Zoom aussi. Donc, c'était très sympa de faire une interview là-dessus. Et donc, je vous laisserai regarder. Je vous ai mis le lien dans le descriptif de la vidéo, hein, de l'article. Et donc, elle s'est proposée très gentiment de me passer. Donc, un dentifrice AP24 pour que je puisse le tester sur un mois et me faire un avis là-dessus et pourquoi pas écrire donc un article. C'est ce que j'ai fait par la suite. Alors n'hésitez pas, nous sommes en direct. Si vous avez des commentaires à faire, vous les posez en commentaire et puis j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure du live. Et puis si vous écoutez en replay, n'hésitez pas, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez déjà testé vous aussi ce produit, ce dentifrice AP24 et à nous faire part de vos retours également, c'est enrichissant, hein, d'avoir plusieurs avis. Des fois, c'est différent, donc c'est très intéressant d'avoir les avis là-dessus, hein. Alors, ce dentifrice m'intéressait bon, pour pas mal de raisons. Alors, il est présenté comme tel. Tout d'abord, il a la particularité de réduire de 64% en fait, la formation de tartre et de plaques dentaires lors du brossage de dents. Donc, c'est vrai que ça, c'est vraiment pas mal du tout, hein. D'accord. Donc, il combat également les caries. Alors, bien sûr, ben, ça va dépendre aussi si vous lavez vos dents régulièrement, hein, donc au moins 2, 3 fois par jour, et surtout les aliments que vous consommez. Si vous êtes beaucoup friand de bonbons et d'alimentation sucrée, c'est vrai que vous avez plus de chances d'obtenir des caries après plus tard, hein, ça c'est normal. Alors, au niveau du goût, moi je trouvais que le dentifrice AP24 avait un parfum de un peu de menthe comme ça vanillée, vous voyez, et qui reste longtemps dans la journée dans la bouche et c'est plutôt agréable ça, hein. C'est pas tous les dentifrices pour en avoir testé plusieurs qui font ça, hein. D'accord. Et alors pour certaines personnes et donc vous verrez Sandrine, elle le dit dans l'interview,
Elle explique que pour certaines personnes, alors je dis bien pour certains, hein, c'est encore une fois, c'est pas pour tout le monde, hein, donc il faut voir, ça dépend des personnes. Le dentifrice peut permettre un blanchiment des dents sur certaines personnes, voyez. Donc c'est vrai que si vous avez envie d'avoir comme ça le sourire éclatant, avec les dents vraiment blanches, ça peut être intéressant. Alors attention, je précise, ce produit n'est pas un actif blanchissant, d'accord? C'est important de savoir, c'est pour ça qu'il ne va pas permettre forcément ce blanchiment des dents à tout le monde. Mais en tout cas, il va permettre à vos dents de retrouver une couleur plus habituelle, surtout si vous consommez du café, du tabac ou des aliments qui noircissent hein, ces dents-là. Hein, d'accord? Alors de quoi il est composé? Voici une petite liste d'ingrédients. Vous avez tout ça hein, dans l'article en détaillé. Il y a du fluor, de l'eau, du sulfate de sodium et de la glycérine, hein, notamment. Alors moi, pour l'avoir testé sur un mois, eh bien, alors j'ai trouvé que oui, j'avais un effet un peu plus blanchissant, un peu plus éclatant. Voilà, c'est le mot qui est juste, un peu plus éclatant. D'accord? Donc ça, c'est vraiment intéressant là-dessus. Hein. Donc vous pouvez y aller là-dessus, les yeux fermés, si vous dit de consommer un produit de ce type-là. Hein. Alors, alors si vous êtes déjà distributeur chez Nu Skin ou si vous avez un produit parallèle, pardon, un produit qui ressemble à ce genre de produit, un autre dentifrice d'une autre compagnie, voilà une petite astuce que je peux vous donner pour avoir en fait vos premiers clients là-dessus. Et ça, c'est pas mal du tout. Il y aura également la suite dans l'article, hein, le détail. Hein, donc ça, c'est important. N'hésitez pas à y aller. Alors, moi, le conseil que j'ai envie de vous donner pour obtenir vos premiers clients, si vous utilisez Facebook, les réseaux sociaux en général, c'est d'attirer la curiosité, de vos amis, de vos contacts Facebook. D'accord? Alors, vous pouvez comme ça commencer à déclarer, eh bien, donc sur votre compte, hein, sur votre profil perso, que vous avez découvert un produit très intéressant, très enthousiasmant. Et surtout, ne dévoiler pas tout de suite le nom du produit, ni dire que ça appartient à telle compagnie. D'accord? Il faut vraiment attirer la curiosité. Parce que le but, c'est que les gens doivent vous poser des questions sur ce que c'est. Tiens, quel est ce produit? D'accord? La personne. Du coup, va se demander, mais tiens, de quoi il parle ou de quoi elle parle? Donc, vous voyez, déjà, c'est un excellent bon point. Et c'est comme ça que vous pouvez entamer d'ailleurs une conversation. Des questions pour montrer votre intérêt ensuite envers votre interlocuteur qui vous demandera en message privé ce que c'est s'il vous pose une question sur le produit dont vous venez de parler. Engagez une conversation avec lui, hein, d'accord? Donc, vous pouvez poser des questions s'il est sensible à sa santé, s'il fait des soins, ce qu'il achète comme produit de la vie quotidienne. Vous voyez, c'est de connaître un peu votre prospect, votre contact, et d'amener petit à petit vers le produit. Donc, c'est déjà une première démarche que je vous conseille vivement pour obtenir vos premiers clients, vos premières affinités pour commercialiser ce produit-là ou un produit similaire. D'accord? N'hésitez pas à réagir si vous avez fait vous-même hein, ce genre d'action. Hein. Ok? Voilà, donc je vous ai mis. Donc dans l'article, là, vous aurez plus de détails, d'accord, sur d'autres techniques hein, pour avoir vos premiers clients, la suite. Voilà, si vous voulez tester comme moi, en tout cas ce produit, vous pouvez donc contacter Sandrine, vous avez toutes ses coordonnées dans l'article et vous avez le lien ici, je vous ai mis également le lien dans le descriptif de la vidéo de sa boutique en ligne où vous pouvez retrouver donc ce dentifrice. Voilà, donc vous pourrez lui poser pardon, toutes les questions que vous voulez au sujet de ce produit. Si même vous écoutez son interview, si vous la trouvez inspirante, que vous avez envie d'en savoir plus sur elle, et de travailler, pourquoi pas, en collaboration avec elle, eh bien, n'hésitez pas à la contacter. Il y a toutes ses coordonnées dans l'article. Voilà. Eh bien, j'ai fait le tour. Hein. Vous avez vraiment plus de détails dans l'article. Donc, je vous invite vraiment à le lire. Et puis, moi, je vous retrouve avec plaisir pour un nouveau live toujours sur le marketing relationnel, sur un produit, sur une formation, une astuce de travail. Voilà.
toutes les options sont possibles, hein. À très bientôt et je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée selon l'heure à laquelle vous m'écoutez. À très bientôt. Ciao, ciao.